Salut à tous, bienvenue, bonjour, bonsoir, même, vu l'heure, Attack of the Killer Tomatoes ce soir, je pense qu'on va pouvoir s'amuser. Bon, déjà, la musique est pas si horrible, hein, par rapport à Bob Winkle ou Escape from Atlantis, on est quand même sur des trucs mieux. On voit un petit bonhomme qui se fait attaquer par moult tomates, ça a l'air bien. Comment ça, Yugan? J'espère que vous êtes chaud, hein. J'ai un peu froid, mais... pas très chaud la saison, moi. En espérant qu'on ait de l'électricité jusqu'à la fin du stream. Mais donc, Attack of the Killer Tomato. On peut profiter peut-être un peu de la cinématique quand même. Alors je connais pas du tout l'histoire. Il y a Trump. Et il y a un autre type, on sait pas qui c'est, qui a fait une sorte de fusée. Oh mon dieu! Et du coup. Ouais. Ah, y'a des oltans pour être dans la fusée, bien sûr, ça fait plus d'énergie. Ok, y'a Beefsteak aussi. Mumato, je sais pas c'est quoi Mumato. Fang. Oh. Ketchup. Ah ouais. Y'a une tomato. Encore? Faut qu'il récupère un mec jusqu'à ce que l'apocalypse des tomates soit accompli. Ah ah ah! Qu'est-ce que c'est que cette embrouille? Ah bam! Oh, c'est Watley White! En direct! Dans les streets de San Zucchini. Oh, des tomates qui attaquent la ville! Depuis les égouts! Ah, oh, les saloperies, les saloperies de tomates! Oh, il court en courant! Il court pas du tout comme Naruto, il court de manière inverse à Naruto! Ok, si on fait start, bon, alors attendez. Je vais regarder en fait si je peux faire des sets ou pas. Bon, regardons le manuel. Commençons avec les choses un petit peu plus habituelles. Regardons le manuel qui est un peu dégueu. Toutes les images que j'ai trouvées sur le jeu étaient un peu dégueu dans des qualités dégueulasses. Désolé, mais j'ai pas le choix. Bon, du coup, 5 cubes pour post-chasing, hein, bien entendu. Bon, on a compris l'histoire. Il y a les tomates méchantes qui attaquent San Zucchini, à peu près, j'imagine que c'est ça. Ah, oh, c'est un jeu THQ qui fait pas mal de bons jeux, qui existe toujours. Bon, on peut contrôler Chad. On se déplace avec Chad. Il y a le bouton B. Ok, bouton A, on saute. Et bouton B, on peut jeter des cailloux. On peut courir plus vite. C'est parfois. On peut sauter plus loin ou monter plus vite avec B. Ok. Donc on a chez le docteur Gangrène, ok. Et on peut trouver des lunch, enfin des plateaux repas, des sacs de bouffe aussi, des sacs de fertiliseur, qui donnent que des points, donc on s'en fout un peu. Ok, ok. Il y a tout plein d'ennemis comme des rats, ou des tomates kamikazes, ou des tomates araignées, bien entendu. Des ennemis. Certains niveaux utilisent des labyrinthes en 3D pour améliorer le gameplay. Vous aurez peut-être besoin d'appuyer sur haut ou bas. Oh là là. Oh là là. Bon, apparemment, ils sont 5 à avoir fait le jeu. Donc on va être conciliant avec. Et donc ouais, bonjour à tous. Bien entendu, bon appétit à Yuganon et à tous ceux qui mangent. Et au Bradin, j'en ai entendu que du bien. Donc ça me surprend pas. Je vais juste checker quand même parce que... La cartouche, elle boot mal en plus. Hein. Je pense qu'il va être temps de faire un peu d'ordre là-dedans. Mais si je fais option...
Save state. Ah mais save state, faut mettre on, voilà. Je sais plus c'est quoi les boutons, mais au moins on pourra faire de save state. Ce sera mieux. Ce sera bien mieux. Nintendo of America, bien entendu. Je suis pas sûr que le jeu soit sorti ailleurs qu'en Nintendo America. Peut-être, mais je ne saurais pas dire. Du coup, là, si je fais... Ok. Oh, le saut est ignoble. Le saut est horrible. Il est horrible du cul. Ah, le bâtard. Bon, j'ai l'impression qu'il n'y a pas grand chose à faire. Hein. Je suis en train de me faire bouffer le cul par des tomates, putain. C'est un peu rigolo de me faire bouffer le cul par des tomates, mais... Oh putain. Bon, les sacs de bouffe nous rendent toute notre vie. Oh, lui, il est... Bien dans l'autre sens, Bobby. Ok. Il faut que je tape. Ah ok, faut que je saute dessus. Oh, il devient jaune. J'ai mangé un sorbet à la tomate jaune il y a un petit moment maintenant, mais... C'était un délice. Si un jour vous avez l'occasion de manger des sorbets à la tomate, c'est trop bon. Trempe-le ! Oh là là ! Ah mais là, c'est le speedrun ! Aïe ! Quand dans le manuel, ça disait qu'il était lent, lui, je crois. Il est parti où? Ok, c'est déjà les embrouilles, il s'est barré mais je sais pas où. Ah mais si je leur saute dessus, c'est moi qui gagne. Ok. Comme la chaussure à pointe. Aïe. Bon après, c'est logique en soi qu'en marchant sur des tomates, on gagne, mais... Je vais mourir. Ok, je l'ai battu et du coup, je peux aller dans les égouts, premier niveau, complété. Salut au bulldog. Attention aux tomates. Non, on est bien. J'ai pas de tomates à la maison. Du gagnant, tu... T'hésites pas à faire payer aux tomates dans tes lasagnes. Ok. Là, y a plus de sol. C'est dégueulasse. Il y a des rats tomates. Bon, on se déplace plus vite en sautant. Honnêtement, pour l'instant, je trouve que le jeu est ok. Hein. Je sais pas si on dira ça longtemps, mais pour l'instant... Ah mais on aurait pu passer par là et faire le tour. Ah ça reste pas longtemps par contre. Okay. Oh des rocs. On les voit pas très bien les cailloux, ils auraient pu... Enfin bon après ils sont couleur cailloux mais... La marche est horrible hein, par contre. Oh trop bien on glisse. Je sais pas si c'est trop bien mais... Ah ouais, la 3D. Les niveaux en 3D. Peut-être c'est pas ça, peut-être il y a encore des trucs plus ouf après. Je perds toute ma vie. C'est nickel, mais... Qu'est-ce que je fais en vrai maintenant? Je sais pas où la suite. Parce que. Hein? Ouais, là je suis mort.
Je reprends là. Est-ce que ça veut dire qu'il faut que je continue par là, en fait? Là, j'ai récupéré ça, mais si je saute, là, je suis mort, non? Peut-être pas, il y a... On reprend à ce niveau-là, donc c'est coolos. Ça, c'est cool. Par contre, on va où? Tout à l'heure, j'ai réussi ce saut. Là. Pourquoi j'y arrive pas? Il n'y a pas l'air d'avoir de game over. Ah putain, là, je tombe. Ok. On va rester calme, on va pas devenir fou. C'est horrible. C'est horrible. What? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi est-ce que je tombais pas tout droit? Ok, je peux pas sauter là-dessus. Je voulais essayer d'arnaquer la vie. On va dire que j'ai eu un coup de chance tout à l'heure et qu'en fait j'ai fait un truc qu'on pouvait pas faire. Ah, mais peut-être qu'il faut que je monte là-haut. Là, je peux aller que là. Ah, mais je peux aller là. Putain, c'est ça, c'est des maze-like level. To enhance the gameplay. Putain, il vomit dessus, lui. Ah, il m'a tué quand même. Ah, le bâtard. Déchets nucléaires, ça glisse. Non, mais c'est genre des déchets de bananes. C'est ça que ça glisse. C'est vrai qu'ils donnent pas envie hein, les égouts là. Il y a deux chemins possibles là. Je suis sûr que ça en speedrun, enfin en tout cas là pour l'instant en speedrun je me dis que ça doit être cool. Enfin ça doit aller quoi. Genre tu sautes tout le temps parce que sinon tu perds du temps. Mais ça tue un peu les yeux quand même, hein. C'est un peu dégueu. Hein. J'espère que l'encodage est pas trop horrible sur la console pour vous. Ah mais d'ailleurs, c'est mal cadré mon truc. Ah non, c'est pas mal cadré. Non, c'est bon, c'est bien cadré. J'ai pas cadré. C'est juste que c'est la console qui est mal cadrée. Ah c'est ça. Ok. On va laisser comme ça au cas où ça se recadre plus tard. J'avais pas fait gaffe. Quelqu'un de... Ah c'est qui lui? Oh là là. Maze-like level. Ah ouais, mais... Bon, on va prendre la dernière porte. Ah mais c'est quoi? Les gougouttes, attention, hein.
En plus, on a une casquette. À quel moment les gougouttes, ça fait mal alors qu'on a une casquette? C'est quoi, on tourne en rond? Non, c'est pas la même chose. Si, c'est la même chose. Ah non. Bon, après, je suis content de récupérer du full vie. Pour l'instant, ça va. Pour l'instant, il y a des soins, il y a... Il y a du maze-like level en 3D. Tellement de chance. Vous avez un seul chemin. What the fuck. Je sais pas ce qu'il faut faire. En fait, ça permet de bloquer les trucs. J'ai l'impression. Et ouais. Est-ce que je pouvais faire quelque chose? Il s'en va encore? Et c'est la fin. Eh! Ça, franchement? Franchement, ça. On va se calmer. Non, mais c'est pas clair. C'est pas clair ce qu'il faut faire sur le boss comme ça, mais bon. Pourquoi pas? Enfin, c'est pas que c'est pas clair, c'est plus que ça n'a pas de sens en fait. Donc, on est de retour en ville. Mais cette fois-ci, c'est la tempête. Ah, je suis mort. Je pensais que j'avais écrasé. Qu'est-ce qui se passe? Ah ah ah! Oh, les bâtards. En fait, il y a des continus. En fait, il y a des vieux continus de ces morts. Ça pour enlever la fusée tube de source tomate, détruire la ville. C'est fini là, non? En fait, j'avais battu tout à l'heure. C'est juste qu'après. Après, je lui ai mis des dégâts à l'infini pour rien. Guys. Plus que j'ai des tomates. Exactement, comment ça d'être rude? Ouais, là c'est rude. Mais en vrai, ça va, en vrai, ça va. C'est rude, mais. C'est genre rude, ok, quoi. On va pas aller chercher le truc là-bas, puisque. On est full vie. À moins que ça permettait d'avoir une vie en plus, attendez. Ah, oh, c'est too late. Too late pour s'apologize. Bien, tant pis. On récupère les cailloux, c'est important pour du coup après. Oh, lui, il me fait mal, genre. Non, mais j'ai pas envie d'aller là-bas, en fait. Je sais que c'est de la bite. Oh le bâtard, il fait tellement mal. Il fait tellement mal. J'aurais eu le... Il y a de la vie là, non? Non mais ça, c'est chiant. Tu tentes sur Death Stranding? Bah moi, pas descend. Pas des... Alors si, pour l'instant, ça va, mais...
On marche aussi. On essaie de sauver le monde aussi. C'est un peu pareil, hein. Quoi? Non mais je suis mort au checkpoint et du coup ça m'a... De toute façon, là, le vrai problème, on va pas se mentir, hein. C'est qu'en fait, si je meurs genre 10 fois, après, le jeu, il est fini, quoi. Est-ce que je pourrais avoir un petit soin, là, avant le boss? Ah oui, il y a un petit soin avant le boss. Là, il y a un petit soin. Enfin, il y a là, cette salle-là. Après, il y a une autre salle. Ok, on est full vie. Et donc, ça, c'est cool. Full vie, ce qui veut dire que... Enfin, on est full vie. On a tous nos PV, quoi, je veux dire. Hop! En fait, bon, on devrait aussi abattre le boss avec toute notre vie. Oui, ou avec presque toute notre vie. Je sais pas s'il reste un truc pour se soigner même à la fin de la pièce. Non, c'est juste des points. Et les points. Je reprends le début des égouts de ces morts. Ah, c'est trop chiant. Ce système de continu des abysses. Ouais, Tifa, il est toujours sur le old skill, je pense. Quand est-ce que j'ai vu là qu'il faisait des runs hier, je crois. Il a fait ses premiers runs. Il se passait pas mal. Ah, mais non, mais j'en ai marre de me faire taper là par ces mecs. Pourquoi on joue un vieux gosse aussi là? Pourquoi on joue pas un super héros? Pas le daron du gosse par exemple. Le problème c'est les sauts, hein. Vraiment ils sont au pixel de cul. Et merde. Ouais, ça c'est juste des puntos de merde. C'est pas du soin là-bas qu'il y a. Ah ouais, mais ah mais si, il y a juste les rats là. Ah ouais, si. Il n'y a pas beaucoup de vie, mais donnez-moi 2 points de vie. Oui, je prends. Ça s'arrête à un moment donné ou ça s'arrête jamais? Oh, il y a des esquives là qui passent qui font plaisir. Le saut est moins nul qu'il y paraît. Hein. Enfin, je pense. Il est vraiment nul, mais ça va. Genre par rapport à la marche, de toute façon. Première porte pour la vie. Genre, ça c'est moi qui prends les dégâts. L'arnaque est totale.
Je pense que les hitbox, ça aurait pu être un peu plus cool sur les dégâts qu'on met avec nos pieds. Là, faut sauter, sinon on est mort. Ok, on est bien là, je pense. Il est complètement rebou par contre le gosse. Hein. Il balance ses trucs n'importe où. Sérieux, mais c'est tellement de la merde! Genre. Pourquoi est-ce qu'il vise soit à gauche, soit à droite, mais il vise pas sur le putain de poteau? Genre, regardez-moi ça! Il est nul! Hey, mais je vais mourir encore. Ah, y'a un décalage avec ma voix? Attendez. Normalement, ça devrait être bon. Je pense qu'on va utiliser des save states juste pour certains passages là. Genre... J'ai pas remarqué hein, son premier combat, mais le boss il est nul à chier. Bon, déjà, je sais pas pourquoi les cailloux ça fait des vieilles traces d'automates nuls. Je comprends pas le concept, mais surtout pourquoi est-ce que les trucs à vis au pif. Ah, mais il y a un chemin là-bas. C'est pas là où il faut que j'aille, justement. Si. J'aurais pas dû essayer de le tuer. Moi qui vais mourir. Genre franchement, je comprends pas trop des fois aussi hein, les dégâts entre. Pourquoi c'est moi qui meurs et pas l'ennemi.
Je pensais que j'étais mort par en dessous. Mais ça, ça l'a fait. Ça passe au travers. Il vise mieux de ce côté-là, en tout cas. Normalement, ça devrait être bon. En fait, le problème du décalage, c'est que... Je sais pas pourquoi. OBS, il a tendance à le remettre à zéro. Beware. Putain, je me suis fait bolos. Hein? What? Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que je fais dans ce monde? Non, mais c'est bon quand je sais pas pourquoi, mais le. Le décalage que je peux mettre dans OBS. Si je tombe dans la vase, là, je suis mort. Et là, ça décolle. Ok. Bon, cette étape, ça sert à rien, mais ok. On va faire des safe sets au début de chaque niveau. Je crois pas que ce soit trop facile non plus, mais... J'en ai marre. J'en veux plus d'avance. Le premier niveau, comme vous pouvez voir, il est cool. Après celui-là, ça va, à part qu'on peut tomber quoi. Par contre, le niveau d'après, j'ai pas du tout compris ce qu'a fait que je me retrouve après là, à l'endroit avec le machin. Il y a une explication, mais alors qu'est-ce que c'est l'explication? Là-bas, si on continue, il y a de la vie, mais j'ai pas besoin d'y aller. Non, mais t'inquiète, hein, je sais pas comment ça fonctionne, mais. Ah, par contre, ça me casse le cul. J'en ai marre de perdre des vies sur ce saut de merde, là. Et là, voilà, je suis remort. Parce que, bien entendu, j'avais toute ma vie, mais vu que c'est un jeu de merde, quand on meurt, on vient qu'avec la moitié de sa vie. Ah oui, sinon, c'est trop facile, hein. Ah, putain. Je crois que c'est un point de vie, ça, non?
l'impression que les plateaux repas ou les trucs, ça dépend de... d'où ils sont et pas de leur, de leur texture ou je sais pas quoi. La musique ça va je trouve. Enfin... je sais pas, je pense qu'elle rend fou et qu'elle est horrible mais... je trouve ça, je vais prendre la vie. Enfin la vie, le soin. Ok, si je me prends encore un dégât, je suis décédé. Et je tombe à zéro, et donc je pense que je recommence du début. Ok, j'ai pris deux dégâts, mais ça m'a quand même soigné quasiment au max. Ça doit rendre 6 points de vie, en fait, et... et si tu perds des points de vie en chemin, ça te soigne quand même. Ah putain, j'ai sauté trop tard. Mais je me suis fait... putain, j'avais 3 points de vie, 3 points de vie en rentrant, et je ressors, j'en ai plus que 2. Ah putain. Et merci pour le host, Will. Et bonjour à tous, bienvenue. J'espère que vous aimez les... les bons vieux jeux de merde. On est au boss avec un point de vie, donc on va pas réussir à passer, je pense. On va faire l'autre côté avant. Ah mais en fait, si on attend une demi-heure, ça nous dit... Try again, Tomato Face. C'est vraiment un con. Regardez, hop. Bon là, j'ai chargé la save state. Hein. On triche un peu, mais... on fait les save states, et si on game over... on prend la save state. Comme ça, je suis quand même obligé. Parce que du coup, si je perds 2 vies... bah après, c'est ghetto pour le niveau d'après, donc on verra. Mais ce sera... pas que ce soit trop facile non plus. Oh, petit bâtard. Je sais pas c'est quoi les espèces de vieux Kirby, là. Ah, putain. La merde. J'espère qu'il a pas proposé les mêmes trucs, mais il a l'air de proposer des jeux un peu pourris quand même. Mais peut-être qu'il a, peut-être que non. Ah là, c'est le pire saut du jeu pour l'instant. C'est bon. Parce que ouais, moi, il m'a proposé deux bons jeux du cul, ce petit bouboule. On a dit c'était des points là-bas, on s'en fout. La vieille tomate dégueulasse qui crache ses vieux molars là. C'est méga mal, hein. Ouais, mais genre, sur les jeux faits, il t'avait pas proposé Tortue Ninja sur NES? Parce que Tortue Ninja sur NES... je tente, là. Je me dis, si ça se passe bien, je réussis à récupérer des points de vie. Et donc, j'ai 6 au lieu de... enfin, j'ai 4, 5 ou 6. Si ça se passe mal, je prends plus de dégâts en ressortant comme tout à l'heure, et c'est plus la merde que si j'y vais pas parce que j'ai déjà 4, mais je pense que ça se tente. Parce qu'en vrai, normalement, j'y arrive quand je fais pas nimp. Bon, l'objectif c'est de marcher le moins possible, hein, pour une raison de tac tac. En fait, il a des chaussures en scratch, et du coup ça fait pas mal de bruit et ça colle un peu au sol. Oh les bâtards. Je me fais défoncer, mais bon du coup... ah putain, mais je comprends rien. Je serais mort si j'avais pas été prendre la vie.
Alors si vous me demandez, mais qu'est-ce que c'est que cette merde? Eh bien en fait, il faut jeter des cailloux pour casser l'orgue. Comme ça, le méchant, il peut plus nous envoyer des tomates grâce à l'orgue. Quoi, il n'y a plus qu'un truc qui marche là? Et après, normalement si on fait de ce côté là, c'est plus facile, parce qu'il décale un peu. Alors, je vais peut-être réussir à le passer sans mourir. Oh, c'est merveilleux. Oui. Et après, le méchant, il part d'un côté. Et nous, on part de l'autre côté. C'est pas vrai, quoi. Et là, on ressort des égouts. Et on beware. Ah, mais c'est juste qu'il faut que j'aille juste là, ok. Et là, c'est le vrai niveau. Alors, j'ai aucune idée de ce qu'il faut faire. C'est genre la fabrique de tomates. C'est là qu'ils font toute la sauce tomate. Ah non, c'est un mur invisible. Ah mais on peut courir dans ce niveau-là. Et du coup, on peut sauter plus loin. Mais non. Ah, j'ai cru. Peut-être qu'il faut récupérer tous les trucs verts. Ah, et là, ça transforme les tomates en méga tomates. Dans le manuel, c'était marqué « Parfois, vous pourrez courir en appuyant le bouton B. » Je sais pas pourquoi, là, j'ai eu l'idée de le faire. Ah, oh, ça a pas sauté, du coup, je suis mort, je suis transformé en tomate. Je suis mort aussi, là. Attention. Oh, putain. Ça rend un point de vie, en plus, ces trucs-là. Ah, même plus. Ça rend de la vie. Je crois que j'ai compris ce qu'il fallait faire. Ah, mais il fait mal des fois. Je sais pas trop ce qui fait mal chez lui. Putain, les tomates, des fois elles tombent sur ma gueule, des fois pas. Elles ont un peu la flemme, j'ai l'impression. Je vais mourir. Du coup, je repars avec la... C'est éteint. Oui, d'accord. Du coup, il m'en manque au moins un quelque part. Il y a celui qui est tout en haut, mais j'ai aucune idée de comment est-ce qu'il faut le choper. J'ai quand même un peu peur à la... au saut de merde. Ah, c'était ça. Ok. Et maintenant que j'ai tout, qu'est-ce que je fais?
comprends pas du tout. Je comprends absolument pas ce qu'il faut faire. Alors, est-ce que le manuel nous dit quelque chose là-dessus? S'il n'y a pas un monstre main quelque part. Non. The robot arm only hurts you when it's exhausted. Study its pattern of movement. Que je tape le tomato eyes en fait, le tomato machin. Je pensais qu'il fallait récupérer les trucs verts, mais non. Fait, il faut que je tape ce truc là, peut-être. C'est pas ça? Qu'est-ce que c'est? Qu'il n'y a rien là dans le manuel qui parle de boss ou je sais pas quoi, enfin en tout cas de bras. The robot arm only hurts you when it is extended. Ok, mais qu'est-ce que ça veut dire? Ah. Ok, sinon il me fait pas de dégâts, mais qu'est-ce que j'en ai à... Enfin, est-ce que ça change quelque chose dans ma vie, ça, qu'il fasse pas de dégâts tout le temps? Donc faut que je casse assez de tomates. Ça se trouve, c'est ça. D'où je prends un dégât là? Ouais, je vais essayer quand même, mais en fait, ouais, j'ai aucune idée de ce qu'il faut faire, donc j'irai peut-être chercher la solution dans pas longtemps. Que lui il me défonce hein. Ouais, si je le touche, je meurs. Buffalo tomate.
Il me gagne 100 points. On va aller jusqu'à genre... Je sais pas combien de points. Seulement on avait vu le film. Je sais pas s'il y a des gens qui ont eu la chance de voir. Hein. Ils disent rien sur lui, là. La voix dit Matol Cost. Personne n'a d'idée. Personne se dit, mais si, il est con. J'ai dit peut-être qu'il faut genre que le robot il se fasse électrocuter. Oh putain. J'en ai marre. J'en ai marre. Attack of the Killer Tomato. Solus. Mais non, mais pas des soupes de tomates. J'ai que des veloutés de tomates. Et d'autres trucs du genre qui remontent. Pas que j'ai un problème avec le velouté de tomate, mais... C'est nul ça comme guide. Donc on va aller sur GameFAQ. Je sais pas s'il y a un truc sur GameFAQ pour ça. No pleading user. 14. Wishlist. Guide. H3. Ok, donc apparemment, il faut réussir à inverser la gravité. Attendez, j'ai la solution. Je vous promets. Il y a un truc quelque part par là. Pas tomber par contre.
Mais non, mais je voulais pas tomber, putain! Eh, c'est trop chiant. Pour l'instant, deux niveaux avec un saut de merde là qui est au pixel, quoi. Sur deux niveaux, il y a des trous. Voilà, et là, j'étais... C'était bien trop tôt, bah oui. C'était marqué, genre, le gars qui a fait la soluce, là, sur le game... GameFAQ, il a mis... By far, the toughest stage in the game. Déjà, faut monter, ce qui est un peu chiant, mais surtout, là, il y a un saut pixel perfect à faire. Mais non, c'est pas ça, après. Je vais relire parce que j'ai pas dû bien comprendre. Et le mec qui dit... Go to the machine which drop normal tomatoes. Notice the weird panel thing on the wall. Use the spot where tomatoes are laid and high jump to touch the panel. Attendez. The panel, you will be able to walk on the ceiling. Do you use the same spot to high jump to the left as far as possible. You will reach the ventilation duct. Est-ce que c'est l'espèce d'interrupteur? Est-ce que c'est l'espèce d'interrupteur là qui est dans le coin qu'il faut que je touche? Ça doit être ça, non? Vous le voyez là, qui est J'ai raté. C'est ça en fait. C'est ça. Je suis sûr que c'est ça. Et j'en peux plus. J'en peux plus de ces jeux. Et oui, bien sûr. Pourquoi on s'emmerde avec la vie? Nice, des points. Parce que je vois pas de valeur de truc de ventilation là en fait.
Maintenant qu'on sait, ça devrait être facile. Il suffit de monter. Montez, s'il vous plaît. Sauter sur le bouton. Et ensuite, on retourne dans l'autre sens. Et voilà! Bien sûr! C'est un peu marrant. C'est complètement con. C'est un peu marrant. Ah non mais le bâtard, il m'a pas touché pendant 5 minutes et dès que j'ai pris le soin là, il me touche deux fois. Donc, j'ai pas pu prendre le dernier soin. Ça serait pas dramatique. On arrive au boss là, je pense. Oh, c'est le reporter. C'est Whitley White. À l'intérieur du vidéo, du jeu vidéo. J'ai pas, ça skippe un texte. Est-ce qu'on pourra désamorcer la bombe à temps? Il n'y a pas de boss. Oh non, c'est encore un de ces niveaux labyrinthe du cul. Le quatrième mur, ouais. Mais au final, je sais même pas trop ce qu'il a raconté, Michel. Oh oui. Un lunch bag. Mais attendez. Il y a un problème. Il y a un problème, c'est... Ok, bon, je peux faire le tour du pylône. Ça, c'est plutôt bien fait. Mais... Ah, il y a une échelle. J'avais pas vu l'échelle. Bon, il n'y a pas l'air d'avoir de timer. J'essaie de courir un minimum quand même, mais... Cette animation de montée d'échelle, elle est folle. Il est relou, lui. Il est relou, ce gros mec. Est-ce qu'il y aurait pas, à un moment donné, par contre, des trucs comme, par exemple... Un petit sac de à bouffer, ouais, exactement. Ok, d'accord. Bah ça, c'est vraiment bien. J'ai pas du tout l'impression de m'être fait défoncer pour gratos comme ça, sans pouvoir rien faire. Un petit soin. Le jeu reste généreux en soins quand même. Ah putain, il est horrible ce mec.
T'arrives à l'esquiver, ça va, mais s'il touche, il te finit. Oh, c'est là. C'est quoi cette histoire? C'est bon, j'ai réussi à tout péter? J'ai gagné? Je pense que j'ai gagné. C'est tout. C'est tout. Le jeu, il est fini. Stage 4. Ah non. When this game is gonna end. Michel, mais c'est bon. Du calme. Eh, c'est pas fini. C'est pas fini. On a cru que c'était fini, mais non. Ah, oh, c'est encore un maze-like. Est-ce que vous êtes déjà demandé comment c'était à l'intérieur d'une tomate? Bon. Vous avez sans doute déjà ouvert une tomate. Et vous savez à peu près à quoi commencer à l'intérieur, mais... Est-ce que vous n'avez pas déjà rêvé d'être dans une tomate? Que si c'est le cas, bah ce jeu est fait pour vous. Parce que dans ce jeu, on peut être à l'intérieur d'une tomate. Et c'est pas beaucoup de jeux qui proposent ça. Y a Rayman qui propose ça aussi. Mais c'est pas pareil, c'est des petites tomates et on y est l'espace d'une seconde. Y'a pas un niveau entier dans une tomate. Oh. Prends l'animation et... Oh mais on peut sauter en plus. Oh c'est trop bien. Est-ce que je peux sauter? Non par contre faut le prendre depuis en bas. On peut le lâcher à mi-chemin mais faut quand même le prendre depuis en bas. C'est un vrai labyrinthe, ça, pour le coup. Enfin... Ouais, non. Ça fait plus labyrinthe que les autres, en tout cas. J'essaie de retenir où je vais hein, à peu près, mais c'est un peu au pif. Là, j'ai pris un chemin, je suis tombé sur de la vie. Résultat, je vais prendre l'autre chemin. Enfin, je vais monter. Et c'est re de la vie. Oh, c'est qui l'autre là? Il est fou. Enfin, je sais pas s'il est fou, mais en tout cas, il a une tête à être fou. On continue à avoir de la vie partout, hein. Le jeu est pas si dur, je pense, à part qu'il est incompréhensible sur quand même certains moments. Non mais je redescends pas par là, c'est pas par là, c'est pas possible. Je me suis planté de chemin ou quelque part. Maintenant, ça a l'air d'être par là. J'ai aucune idée d'où je suis. Hein. J'ai
Je suis ni d'où je vais. Enfin si, je vais à la fin du jeu, mais... Je vais mourir, je vais reprendre tout... Juste où je suis mort, enfin juste au début là, et... Je vais regretter ma vie. Oh! Oh là là, on a explosé la tomate géante de l'intérieur en lui arrachant. En fait, c'est comme dans Kirikou, on lui a enlevé la épine qui rendait la tomate méchante, et c'est devenu une gentille tomate. Et bah c'était un sacré bon jeu de merde. Que vous dire de plus? J'ai pas grand chose à dire. Le jeu est... Le jeu est horrible. Enfin horrible non, mais... Le jeu est... Et comment dire... Bon, il existe déjà. La vraie question, c'est est-ce que j'essaie de le faire sans save state, sachant que, en fait... On va le faire une fois. J'imagine le premier niveau, de toute façon, on saute et on s'en fout de la vie. Et chaque pas qu'on fait, c'est du temps perdu. Mais honnêtement, c'est bien moins pire que ce à quoi je m'attendais. Hein. On peut pas courir encore. Ah, on peut les taper, ils ont une méga épée sur la tête, mais on peut les taper quand même. Ok. C'est un peu nul pour des méchants qui avaient l'air sérieux et tout, mais... Ce saut là on le rappelle hein, mais c'est presque pixel perfect j'ai l'impression. Pour ça qu'on fait attention. Je sais pas quelle heure j'ai commencé. Il va être 48, un truc comme ça. 20. Il prend pas la bonne route, le méchant. Voilà, ça se passe méga bien, en fait. C'est la merde. Easy? Eh? World record pace. Ah, faudrait juste survivre. Je crois qu'on sait, hein.
Ok, c'est bon, j'ai cru que j'avais pas réussi à avoir le soin. Voilà, pour gagner du temps, il faudrait pas prendre tous les soins. Peut-être qu'on peut skipper certains... certains interrupteurs et gagner du temps. Il est horrible, il fait trop mal. Il m'a mis trop cher, là. Fous-moi la paix, fous-moi la paix. Ah, le bâtard. Là, c'est le fait de sauter, ça... ça joue dans le fait que je peux aller. Je vais prendre par là, du coup. Non, bah non. Bah, c'est nul. Oh! Ok, c'est bon, il se barre. Non, mais je suis con, j'ai oublié qu'il fallait... En fait, faut appuyer... Ah, mais il y a un mec! C'est qui? Pourquoi il y a un mec là? Il n'y avait pas de mec tout à l'heure. Hein? Il n'y avait pas de mec tout à l'heure. Il y a un mec normalement. Ok. Du coup, ils ont rajouté un mec. Qui était là tout à l'heure, apparemment faut juste tuer les trucs qui fait spawn. Non mais please.
Du coup, on peut passer là, mais ça va me servir à rien, j'imagine. Donc si, on peut skipper des bouts. T'es vraiment tout au bout et ça passe. J'ai traversé ou pas? Ah putain. C'est horrible. Bon bref, j'en ai... Je suis mort deux fois déjà. Tant pis. Tant pis, tant pis. Bon, le jeu est pas terrible. J'avais pas vu qu'il y avait un bot tout à l'heure. J'ai réussi à l'avoir du premier coup, je pense. Et c'est bon, je me suis lassé. Il est connu voir l'ennemi. On va dans tous les cas finir le... On va faire le tirage et autres. Le tirage qui va arriver plus tôt que d'habitude, mais bon. Mais bon, oui, bon. C'était marrant de le faire en un seul coup. Bon, ce niveau-là, ça va être le pire, hein. Parce que les deux d'après, je les ai passés du premier coup. Donc j'imagine que... Ah, mais je suis con, quoi. Je les ai passés en 2 minutes. Alors que les niveaux d'après, c'était plus facile. Enfin, vraiment, il y a un niveau qui était dur. Si je fais ça, normalement... Normalement, c'est bon. Oui, c'est bon. On a les tier list. Alors, elles sont un peu écrasées, la tier list générale. J'ai peut-être passé... On va faire d'abord la tier list un peu spéciale... Spécial jeu Game Boy. Et je pense que on va le mettre en C. Genre, c'est pas aussi pourri que Bumwinkles et Unfriended and machin. Genre, le jeu, il est vraiment pas terrible. Mais il y a quelque chose, quoi. Genre, la musique est pas horrible, ça fonctionne à peu près, on comprend pas trop. Ouais, je pense que c'est pas mal. Enfin, le jeu est pas terrible, mais... Mais voilà, sans save tête c'est horrible. Mais bon, tous les jeux quasiment là sans save tête sont horribles donc. Donc on va mettre comme ça. Et là je pense que je vais peut-être quand même le mettre en E. Ou en fond du dé quand même. Ouais, peut-être là, peut-être là. Genre c'est horrible, mais. Genre, ça te brûle pas les oreilles, ça te brûle pas les yeux, ça donne pas envie de te mettre des coups de tournevis dans les oreilles. Donc je me dis que pourquoi pas, pourquoi pas. Ça me semble pas trop mal. Ouais, on va le mettre là. Genre, juste avant le l'immondice. Ça va être ça le classement pour Donkey Kong. Et donc voilà. Donc on va arrêter la VOD ici. Salut, salut la VOD. Salut YouTube.